Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine, donc de nouveaux petits déj. J'espère que vous allez tous très bien, que la semaine va bien se passer pour vous. Et en tout cas, pour nous, on reprend de plus belle avec la série XY5 Primo Shock, le booster de Primo Groudon. J'espère qu'ils veulent nous porter chance. Je suis toujours dans la même série de petits déj, mais j'ai remis les lumières jaunes et une veste pour changer un petit peu et parce que je trouvais que j'étais un petit peu sombre sur l'écran. En tout cas, c'est mon choix et puis ça apporte toujours un peu de changement, ça permet de changer un peu... Enfin, de façon virtuelle, les petits déj. Et en tout cas, quant à moi, on passe à l'ouverture de ce petit booster. J'espère qu'on va être gâtés. Je croise les doigts et hop. Alors, le Donut Booster, c'est pour vous si vous souhaitez lire la description. Et quant à moi, je passe à l'ouverture de celui-ci. Je croise les doigts pour avoir une bonne pioche. On va voir si cette nouvelle semaine va nous porter bonheur ou malheur. Alors, j'écarte ça. Je vous montre à nouveau le fond d'un petit déjeuner. Il s'agit de deux passes rouges que j'adore. Franchement, je les trouve super beaux et ça convient parfaitement avec le matin, les petits déjeuners. Enfin voilà, je pense que vous comprenez. Le code online, il est pour vous. Voilà, c'est gratuit, c'est offert de bon cœur. Et quant à moi, je mets les meilleures cartes à la fin pour garder le suspense jusqu'à la fin. Ça, je pense que vous le savez également. Allez, on commence avec un petit Skitty qui est une commune. Alors, personnellement, je n'aime pas trop cette illustration. J'ai l'impression qu'ils ont posé une figurine et non un Pokémon. Regardez-moi ça. Skitty fait la taille d'une herbe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pas moi. Ensuite, on continuera avec Sac de Nœuds. Arco, que j'adore. Je le trouve très beau et j'aimerais bien avoir Junko. Je n'ai toujours pas eu depuis le temps. Ensuite, nous avons Monorpal, Meditica, Fogler, très belle illustration. D'ailleurs, il n'y en a pas un, il y en a un deuxième qui est lui, même plusieurs au fond, j'avais même pas remarqué, là, tout au fond, sur les rochers. En fait, il y en a plein des Fogler. J'avais toujours remarqué ces deux-là, mais j'avais pas remarqué ceux du fond. Vous voyez, je voulais vous donner une information et je découvre une nouvelle information au fur et à mesure. C'est pour ça que j'adore ouvrir des boosters. Ensuite, on continue avec une dresseur, la corde sortie. Derrière, nous aurons Mascadra. Très belle carte, ça fait plaisir à voir. Je ne l'ai pas eu beaucoup de fois encore. J'aime bien. On continuera avec... Oh, très bonne pioche. C'est une rare ou une peu commune, celle-là? Une peu commune, mais je l'adore. Il s'agit de Barbicha en reverse. C'est une très très belle reverse. Elle vaut le détour. Chapeau. Et maintenant, roulement de tambour. 1, 2, 3, 1, 2. Minotaur en rare qu'on a déjà eu un bon paquet de fois. Bon, eh ben, faut bien que ça arrive de temps en temps. Plein de rares d'affilée. Bon, bah en ce moment, ma chance est partie en vacances, je pense. J'aimerais bien partir en vacances aussi, mais bon. En tout cas, elle est partie sans moi. Bon, bah c'est pas grave. Je nous mets les deux meilleures cartes de l'ouverture. Donc la reverse et la rare. Je vais nous les cadrer un petit peu mieux que ça. Voilà. Personnellement, j'aime bien le Minotaur quand même. Hein. C'est une très belle rare, que ça me dérange pas de la tirer en plusieurs fois. Et puis Barbicha est une très belle carte également. Voilà, on en a terminé avec ce petit déjeuner. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment et que vous vous êtes régalés. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau petit déj. Et jusque-là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.